C'est à prendre ou à laisser, le jeu qui rend fou les Français et qui repart de plus belle ce soir à la conquête d'un million d'euros. Un million que vous partagerez, vous qui nous regardez, au 32-81 ou par SMS, en tapant boîte, au 63-100, encouragé par un public très en forme ce soir. Hier, Mamie Nicole nous en a fait voir de toutes les couleurs, mais Dieu merci, elle est repartie à 15 000 euros. J'aimerais qu'on fasse connaissance avec le nouveau Breton, le roi de la Gomina. Oui, c'est vrai. Quel est votre prénom? Christophe Di Fonzi. Christophe dit Fonzi, à cause des cheveux, d'accord. Ça va, Christophe? Ça va très bien. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci. Arthur. On verra ça tout à l'heure. Non, je plaisante. Vous venez d'où en Bretagne? De Rennes. Rennes, ouais. J'ai 38 ans, je suis maître nageur. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai une bonne gomina. Ouais. Et quand je plonge, ça bouge pas. C'est vrai? Ouais, ça fait un peu aileron de requin, je trouve. Hein. Ouais, mais c'est pour me repérer dans l'eau. C'est étonnant parce que votre nez part par là et les cheveux de l'autre côté. Il est très, très carré, voyez-vous. Il est. Soyez le bienvenu, je vous offre la boîte de jeux à prendre ou à laisser pour vous entraîner en famille. Merci. Et un tirage de notre ordinateur que nous allons appeler tous ensemble, mesdames et messieurs. C'est Mou Computer! Va venir nous rejoindre, la Haute-Normandie, oui. C'est notre ami Droupi qui va s'asseoir à mes côtés. Voici un portrait de présentation et juste après, en route pour un million d'euros. Jérémy est né il y a 19 ans au Havre, entouré par sa grande sœur et son petit frère, ainsi que ses grands-parents qui l'ont vu se transformer en beau jeune homme. Ce passionné de piano depuis l'âge de 5 ans est en première année de licence d'administration économique et sociale, ce qui ne l'empêche pas de faire du mannequinat, ni de poser comme modèle pour des photographes. Ce soir, qu'il gagne ou non, Jérémy sait que sa cote avec les filles risque de monter en flèche. Bonne chance à ses victoires. Mesdames et messieurs, accueillons Jérémy. On en a vu des candidats qui avaient le sens du rythme en musique, mais là, quelle démonstration de danse. Oui, je suis d'accord. Soyez le bienvenu, notre ami Polochon, le doyen, combien d'émissions avant de nous retrouver? 48. 48 émissions, il était temps. Alors, en tout cas, mon ami, j'espère qu'on va repartir avec la plus belle des sommes, un million d'euros que vous partagerez avec un téléspectateur, un million d'euros répartis par notre ami Jean-Louis. Bonsoir Arthur, bonsoir Jérémy. Vous êtes un Normand, vous êtes un conquérant. Mais c'est le hasard qu'il faut conquérir ce soir, car c'est au hasard que j'ai réparti ces 24 sommes dans ces 24 boîtes. Et il a dit, vous êtes un Normand, vous êtes un conquérant, parce que sa femme, elle est en Normandie. Oui. Elle est de Rouen, sa femme. Elle est de Rouen, effectivement. Mais n'oubliez pas, Jérémy, Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Je ne sais pas, je sais simplement que vous partagerez, vous qui nous regardez, les gains de notre ami au 32-81, ou par SMS, on en boîte au 60-300. Regardez en face de vous l'échelle des gains. On commence par la Golden Box, 1 million d'euros, 500 000, 300 000, 200 000. Et les boîtes bleues. Les boîtes bleues dont tout le monde se fout et qu'il va falloir éliminer les unes après les autres. On démarre 6 boîtes avant le premier coup de fil du chacal. Alors on commence avec la boîte numéro 7, Alsace. Pourquoi la 7? Parce que la 7. Allez, ouvrez-moi cette boîte. En ouvrant la boîte du candidat alsacien, c'est 5 euros. Suivante. On va continuer avec la numéro 16, Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon. Magnifique candidat du Languedoc-Roussillon. 30 000 euros. Oh, attention, on reste dans le bleu, mon garçon. Il est tout timide. Hein. Allez, tenez-vous droit, mon gaillard. Un beau mec comme ça. On va continuer avec la boîte numéro... la 17, Champagne-Ardenne. Ah, la champenoise. Allez, ouvre-moi cette boîte.
Bonne chance. Oui, 250 euros, on enchaîne, elle en reste en rythme. La boîte numéro... La boîte numéro... La 19, Nord-Pas-de-Calais. La candidate du Nord, Pas-de-Calais, belle comme un cœur. Oh là là, j'adore ce petit chemisier. C'est une robe ? C'est une robe. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. J'adore les fleurs. C'est fleuri. Je ne comprends pas. Regardez que cette bombe soit célibataire. Regardez comme elle a des jolis yeux. Oui. Une bouche pulpeuse. Et mettez-la sur la table vous qu'on voit un peu promotion. Le reste de... Parce que là, on a la fin de tronc. Allez-y. Hop, 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 hop. Regardez cette bombe du Nord-Pas-de-Calais qui va ouvrir la boîte numéro... Mais non, c'est fait exprès. Oh. La boîte numéro 19. Bonne chance. Combien ? Un centime d'euro. Elle mérite un petit bisou. Hein. Ouais, 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 ouais. Ah, décidément, notre ami Droupi nous fait un magnifique tirage. Alors, ça va mon garçon ? Ça va, c'est nickel. Ah, ça bon. Va mieux là. Là, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. Il est beau, on dirait un Picasso. Ah, j'en ai tout avec vous de toute façon. Bon, bah, vous le savez, camion dans la tête, qui aime bien, chatouille bien. Oui, oui, c'est vrai. D'accord. Ah, bah, écoutez. Je comprends pas que vous, qui êtes si sympathique, ouais, ouais. Célibataire, et beau gosse quand même, et beau gosse quand même. Bon, bah, il faut tout remettre dans l'ordre, mais une fois qu'on aura tout remis dans l'ordre. Et comment ça se fait que le pays... De toute façon, le Pays de la Loire, il faut la mépriser. Elle vous a dit non, ouais, oubliez là. Par contre, Outre-mer, la petite de Mayotte, elle était open, hein. Elle était en open space, je peux vous dire. Hein. Ce n'est qu'un au revoir. Non, ah, mais bien sûr. Non. Il vient à Mayotte quand il veut. Ouais. Ah bah elle doit être très sexy. Elle doit être très sexy en Mayotte bain. Alors, où va-t-on ? On va aller à la numéro... La numéro... Ouais. C'est vrai que vous êtes le candidat qui fait des bruits avec la bouche. C'est une fois, vous vous souvenez, il avait regardé le décolleté du Pays de la Loire et il a fait... Vous vous souvenez de la fin, vous avez fait... Vous en souvenez dans le public ? Oui ! Il s'était tourné vers elle, il avait fait... C'est son cri parce que dans ce cœur se cache une bête qui rugit de plaisir. Ouais, hein. Carrément. Faut pas trop rugir, ça fait peur aux filles. Ouais, hein. Je vois ça aussi, ouais. C'est l'expérience qui parle. Hein. C'est l'expérience qui parle. Alors, où va-t-on ? Nous allons à la numéro... Allez, on va aller à la numéro... Ah, il fait des bruits avec la bouche. Ah, non, mais ça, j'en fais tout le temps, alors. La numéro... Si Antoine, notre réalisateur, peut nous montrer. Non. Attendez, mais c'est un truc. Mais oui, je le dis tout c'est le ça qui doit faire peur aux filles, c'est que dans une conversation classique. Bah, ça leur fait pas toute peur. Je prendrai une boîte de radis et un peu de concombre. Vous avez des pommes de terre. Vous êtes en orgasme en fait. Oui, hein. Voilà. Vous êtes orgasmomane. Exactement. Où va-t-on ? Alors on va là, la numéro 5, Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, ah la bomba du Midi-Pyrénées, très joli décolleté. Non mais moi je dis la vérité, parce qu'il y a trop d'hypocrisie à la télévision, quand il y a une fille qui est jolie comme ça, il faut lui dire. Merci Arthur. She's crazy like a fool, what about daddy cool, daddy... Merci, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la musique à cette fois. Sans faute, 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Virez-moi encore du bleu, s'il vous plaît. Allez, on y va, on va à la numéro 14 Franche-Comté. La Franc-Comtoise, le Franc-Comtois, pardon, excusez-moi. Allons-y, 15 000 euros. Écoutez. On a connu pire comme démarrage. Oui, allô. Très bien. Je transmets. Jérémy, une première offre de la banque, si vous le souhaitez. 37 000 euros à prendre ou à laisser. 37 000 euros. Ce qui nous fait une somme. 243 000 francs. À prendre ou à laisser, vous le savez depuis
Hier, nous avons des sages que nous avons choisis parmi notre public qui peuvent vous aider, vous conseiller. Qu'est-ce que vous proposez, mademoiselle? De laisser. Il est mignon, hein? Oui, pas mal. Vous êtes célibataire vous-même? Oui. Et je suis normande en plus. Ah là là, chaleur. Qu'est-ce qu'il a dit? Chaleur. Attendez. Il faut que je vous donne des petits tuyaux pour avoir une nana. Aussi parce que si vous aimez une fille ou qu'elle vous plaît, d'un coup vous faites « Ah, la chaleur !» Elle peut être angoissée. Elle lui dit « Je suis de Normandie », il fait « Ah, la chaleur !» Vous pouvez faire peur à une fille, hein. Ah, je sais. Ah oui. Elle vous plaît? Ouais. C'est votre Mais là, il y a les boîtes d'abord. D'abord les boîtes, d'accord. Après. Et mamie? Bah, ce stade du jeu, non, il faut continuer. On continue. Oui. Et le Toulousain? Pareil, il faut continuer. Alors, on continue si vous le souhaitez. Ouais. Une fois, deux fois. Moi, je raisonne en noyer, donc... Ça fait pas mal de loyer, quand même. Ah, ça fait pas mal de loyer. Vous payez combien? 500 euros. 500 euros? Ah bah, 37 000, ça fait beaucoup de mois. Bah, ça fait 5 ans de loyer. Bah ouais. Mais avec un million d'euros, on achète ouais. La maison, hein, carrément. Ah, on en achète plusieurs, je sais pas. Non, mais de toute façon, j'en ai ouvert que 6, on va continuer encore un petit peu. Une fois. Deux fois, trois fois. Alors, on continue, vous voici 3281 ou par SMS en envoyant en boîte au 6300. Vous partagerez les gains de Droupi. Vous avez des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère et une sœur. Donc, j'ai un frère qui a 18 ans. Il s'appelle comment? Nicolas. Ok. Et j'ai une sœur qui a 22 ans et qui s'appelle Caroline. Ok, d'accord. Voilà. On va ouvrir à nouveau 5 boîtes avant le prochain coup de fil de la manque. Mon Droupi, il est tout mou. Allez, on y va. Boîte suivante. On va aller vers la numéro 23, Ronalpa. Le premier là, Ronalpa. En ouvrant sa boîte, notre ami Sébastien nous fait renoncer à la somme de 100 euros. Ça, c'est du tirage. Boîte suivante. La numéro 24, Aquitaine. L'Aquitaine, la souricette qui nous a fait beaucoup de peine hier. Ça va, ma chérie? En ouvrant la boîte numéro 24, notre poupée nous fait renoncer. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça fait mal. 75 000 euros. Ouais. Mais moi, je suis content. Franchement, regardez, les 6 plus importantes boîtes n'ont pas été égrenées. 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, 1 demi-million d'euros et 1 million d'euros. On continue dans le bleu. Alors, on y va avec la boîte numéro... La numéro 6, pays francophone. Allez, ouvrez-moi cette boîte, chérie. Il est bien, ce t-shirt. Aïe! Alors, on va continuer avec la boîte numéro... Ah bon, on oublie hein, tout de suite, hein, vous êtes un battant. Hein, on oublie ah oui, c'est 300 000 euros, on vient de larguer 2 millions de francs, mais vous en foutez. Mais non, il faut continuer, il faut aller de l'avant, toujours. Hein? Il faut toujours aller de l'avant, et on se relève mieux après. On va ouvrir la boîte numéro 20, le Limousin. D'accord, ah bah ça, tout le monde rêve d'ouvrir la boîte du Limousin. Hein. Bonne chance. 20 000 euros, je préfère ça. Tant que les plus grosses boîtes sont encore là, mais il faut qu'on aille dans le bleu, Jérémy, parce que le téléphone ne va pas tarder à sonner. Alors, on va ouvrir la boîte numéro... Ah, la 8, je sais pas. La boîte numéro 12, Corse. D'accord. Ça va, Ajaccio? Ça va, oui, Arthur. Oh là 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 Oui, alors. Comment ça va? Très bien. Pardon? D'accord. Quelle est la somme qui vous fait plaisir, on m'a dit? Franchement, 25 000, c'est énorme. 25 000 euros, ouais, ça serait énorme. Énorme, après, c'est que du bonheur. Eh bien, écoutez, je suis content de l'entendre parce que la banque nous propose 26. Les jeux continuent. Voici Logic Man, l'homme logique. Hein. Il dit qu'il s'arrête à 25, la banque propose 26 et il continue. Eh bien, continuons, nous ensemble, à téléphoner au 3281 ou par SMS en frappant boîte au 6300. Droupi est en forme, là, Droupi est chaud, il partagera ses gains avec vous. Droupi est content. Droupi a des animaux de compagnie? Ouais, j'ai un chien, il s'appelle Chouchou.
Il est noir et blanc, donc il a été baptisé par mes collègues parce qu'on l'a trouvé au boulot. Ok. Et voilà, il traînait dans une cabine d'essayage, donc bon bah voilà, je l'ai adopté. Voilà. Je vais juste demander si vous aviez un chien, je n'ai pas demandé de nous raconter sa vie. Ah hein. Bah moi je raconte sa vie. Alors il a un chien qui s'appelle Chouchou. Une cabine d'essayage, il y avait un chien qui traînait dans un grand magasin et on savait pas quoi en faire. On voulait appeler la SPA et puis ils nous ont dit qu'ils allaient le piquer, donc je l'ai gardé. C'est voilà. Gentil, c'est quelle marque hein. C'est de quelle race. Personne ne sait. Personne ne sait, non. Vous êtes sûr que c'est pas une cliente du magasin non, que vous auriez confondu avec un animal de compagnie. Un peu trop poilu, je pense. Ah bah, il y en a, hein. Oui, il y en a. Non, c'est un chien. Après. Allez, à nouveau, quelques boîtes avant le prochain coup de fil du banquier. La 4 Picardie. D'accord. Picardie. Ouvrez-moi cette boîte. 25 000 euros. C'est incroyable, 25 000 euros, c'est la somme que vous vouliez à l'instant. Regardez en face de vous les plus belles boîtes de 100 000 à 1 million d'euros. Où on va? On va aller à la boîte numéro 22, la Bretagne. Ouais. D'accord, après on vous parlera un peu de vous. Le nouveau venu, le Breton. Bienvenue dans l'émission Fonzi, c'est 1 million d'euros qui partent à la flotte. Mais il n'y est pour rien. Bah, bien sûr que non. Mais 1 million d'euros quand même... Oh, c'est angoissant là ce jeu là, je suis stressé. On n'a pas fait 48 émissions pour repartir avec un euro. Ah bah c'est clair. Virez-moi cet euro. La boîte numéro. Ça vous fait rien, 1 million d'euros qui part, ça fait rien pour vous? Il va falloir être raisonnable ce soir et bien réfléchir. Boîte suivante. Allez, la numéro. Ouais, la. La 13, Basse Normandie. D'accord, la 13, Basse Normandie. Virez-moi encore une boîte bleue. La boîte numéro... Il reste combien de bleus? 5 et 5. Ouais, c'était un demi. La boîte numéro... Je comprends pas votre stratégie, mais pour c'est l'instant... C'est très mathématique. C'est... L'essentiel, c'est qu'il nous reste quand même ouais, 5 sublimes boîtes sur 10. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, vous gourez pas, parce qu'après la prochaine, le banquier va nous appeler. Faites-moi rêver, virez-moi du bleu, là, qu'on en finisse. Alors, on va... La numéro... 9, j'aime bien le 9. J'aime... Le 8, il m'intrigue. Il m'intrigue, c'est le numéro. Ouais. Je vais voir, quoi. On va l'enlever tout de suite, comme ça il y aura lequel? Plus de questions. Le 8. Le 8. Allez, le bourguignon, envoie-moi cette boîte. C'est sûr? Oui. 50 000 euros. C'est énervant qu'on ait viré cette boîte à 50 000 juste ouais, maintenant. Bah oui, voilà. Très bien. On est plutôt pas mal placé quand même. Regardez, il y a 9 boîtes et 4 qui nous intéressent et 4 boîtes formidables. Pour l'instant, le tirage est génial. Hein. Il faut ouais, pas s'angoisser. On a perdu 1 million d'euros, d'accord, mais on vous demande pas de faire le chèque. Hein. Non. 100 000, 150 000, 200 000, 500 000 euros, je peux vous dire qu'au standard, ils sont déchaînés. Déchaînés quoi? Parce que vous partagerez vos gains et le banquier vous propose d'échanger votre boîte. Vous avez fait une petite boulette en disant qu'il y avait une boîte qui vous intriguait. Hein. Ouais. C'est pas pourquoi elle me titillait. Quoi. Est-ce que vous voulez garder la boîte qui porte le chiffre 3 ou est-ce que vous tentez l'échange? Qu'en pensent nos amis des sages du public? Mademoiselle. S'il a un numéro fétiche, il faut qu'il change. Madame. Oui, il faut changer, peut-être, oui. Jeune homme. Pour moi, il devrait la garder. Ah. C'est la voix de la raison. Hein. Hier, il s'est pas trompé. Hein. Il faut reconnaître qu'il s'est pas trompé. Mamie au milieu, tout ce qu'elle dit, il faut faire le contraire. Je l'échange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je l'échange contre la boîte numéro 11 pour vendre Alpes-Côte d'Azur. Et pourquoi la 11? C'est... Je sais pas, c'est un chiffre récurrent dans ma vie, en fait. J'ai toujours habité à des 11 ou à des 1, et c'est tout le temps le 11. Alors, et 11, par exemple, venir, un exemple. Mes adresses. J'ai eu 3 adresses, c'était que des 11. À chaque fois que je lève la tête, je vois un 11. Levez la tête, voir. À chaque fois qu'il lève la tête, il voit un 11. Peut-être que c'est un médecin qu'il faut lui présenter, c'est pas une nana, hein. L'homme qui voyait des 11 partout. Vous êtes désormais propriétaire de la boîte 11. Ok. Avez-vous le courage d'ouvrir la boîte que vous venez d'échanger pour savoir avec quelle somme vous aviez démarré la partie? Réfléchissez pendant ce temps, je rappelle à nos téléspectateurs qu'au 3281 ou par SMS, en tapant boîte, au 6300, vous connaissez comment cela fonctionne, vous partagerez les gains de notre ami. Regardez cet écran.
100, 150, 200, 1 demi-million d'euros, peut-être, à partager dans un instant. Mon garçon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attendez, là, c'est le dilemme. Vous venez de refaire. Non, je me suis contrôlé un peu quand même. Alors là, oui, on va l'ouvrir, allons-y. Allez. Voilà. Ouvrons-la. Allons-nous avoir d'énormes regrets. 5 millions. L'Auvergnate a-t-elle un oursin dans sa boîte? Dieu seul se fait sniffer. Oh. 100 000 euros. 100 000. Oh là là, vous nous faites le yo-yo. Une petite, une grosse, une petite, une grosse. Ouais, c'est chiant ça. Installez-vous un peu dans le bleu définitivement. 7 boîtes. Faut pas que j'en vire une. Allez, virez-moi les 10 euros qui nous narguent. Allez. Imaginez, à ce stade du jeu, vous avez 3 boîtes sur 7 supérieures à 1 million de francs. Ouais, c'est vrai. C'est énorme, attention. Hein. La boîte numéro... La... Ça va un tic, hein, en fait. La boîte numéro... Allez, le... Non, mais arrêtez. En fait, c'est un DJ buccal. Et je vais prendre la... La numéro... 21 centre. Ok. Vous êtes sûr? Ouais. On y va. Allez, faites-nous rêver, je vous en supplie. 150 000 euros. Juste avant le coup de fil du banquier. Droupi! Qu'est-ce qui se passe, Droupi? Allô? Très bien. €12 000. Je suis désolé. Mes conseillers. Je trouve que c'est pas 12 000 beaucoup, euros mais... à prendre ou à laisser. C'est pas beaucoup, oui. Vous êtes joueur? C'est pas beaucoup, ouais. 12 000, oui. Continue. Allez, on y va. Même pas le temps de réfléchir. 3281 ou par SMS. En envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gars de Jérémy, notre fonceur, notre ami Droupi. Alors voilà, qu'on soit bien clair, du bleu. Ouais, bah, uniquement du bleu, comme ceux de vos yeux. On y croit, hein? Oui, bah oui. On va aller à la boîte numéro... Ma petite Lorraine, numéro 18. Ah, ma Lorraine. Oh, bah, je suis obligé de me déplacer, elle est trop mignonne. Ça va, ma Lorraine? Ça va bien. C'est un bon copain qui s'en va. Enfin, il s'en va, vous revoyez de temps en temps, mais là, il quitte la partie. Il était temps, 48 émissions. Ouais, 48. La Lorraine. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Y a-t-il une petite ou une grosse somme? Vous allez faire speakerine ce soir, parce que la réponse, ce sera... Après la pub. À tout de suite, on compte sur vous. Venez me voir, venez me voir. Approchez-vous qui êtes devant votre téléviseur. Fidèle au poste, comme chaque soir, pour apprendre ou à laisser le jeu qui rend fou les Français qui nous rend fou. Ce soir, je vous présente Droupi, notre ami. Jérémy, bonsoir. Qui nous vient de Haute-Normandie, du Havre. Exactement. Jérémy nous fait un tirage atomique. Mais malheureusement, il y a plus de bleu que d'or. Ouais. 4 boîtes bleues et 2 sublimes. Ouais, ils sont pas mal. Ouais, c'est vrai. Juste avant les publicités, vous avez refusé près de 37 000 euros. Ouais. Et vous avez choisi notre amie la Lorraine, ouais. Notre chouchoute Fabienne, pour ouvrir sa boîte. Croisons les doigts pour qu'il y ait du bleu. Bonne chance. Allez. Ouais. Ouais. Ça sent le...
Parfait. Après avoir refusé il y a quelques minutes 12 000 euros, le banquier révise son offre à la hausse et vous propose 20 000 euros à prendre ou à laisser. 20 000 euros, 132 000 francs. Ça fait quand même... ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Vous n'avez que deux boîtes. Et quelles boîtes? Une qui vous en propose 10 fois plus. Ouais. Et une qui vous en propose 25 fois plus. J'ai vu que vous aviez votre porte-bonheur avec vous, c'est ça? Ouais, c'est un louis d'or à l'intérieur. Il y a un louis d'or? Juste avant qu'elle décède. C'est qui vous l'a offert? C'est une tante juste avant qu'elle décède. Ça s'appelle comment? Bah, tante Anna. Tante Anna, ouais. Qui vous a offert un louis d'or porte-bonheur. Ouais. Donc il y a... je vous fais voir. Ah oui? Ah, je n'ai jamais vu un de près. Il date de 1917, je crois, je ne sais plus trop. 1917. République française. Liberté, égalité, fraternité. Il est de 1907 exactement. Voilà. Moi, je vais le garder, ça. Ça, trop non, là, merci bien. 20 000 euros à prendre ou à laisser. Je continue. C'est quoi cette folie, là, d'un coup? Mais il y en a... enfin, il en reste deux à ouvrir et après, c'est que du bonheur. Donc, on va essayer, on va essayer. Eh bien, écoutez, vous l'avez dit vous-même, il en reste deux à ouvrir et après, c'est que du bonheur. Alors, ouvrez-moi la bonne. Virez-moi les 10 euros, virez-moi les 50 euros, virez-moi les 10 000 euros. Je m'en fous du bleu. J'hésite entre la 10 et la 15. 10 ou 15. Deux copines. Ouais. Outre-mer ou Pays de la Loire? Alors... les deux râteaux de l'année. Ouais. Ouais. Si on est en 10 et 50, alors là, ce serait pas vrai. On va ouvrir la boîte numéro... la 15, Pays de la Loire. D'accord, votre copine. Et Dieu sait si vous avez tenté de la séduire, ouais, et Dieu sait si elle n'a pas voulu, mais ça n'enlève rien à la sympathie qu'elle vous accorde. Mais oui, bon, voilà, les atomes crochus ne sont pas là. Exactement, Jérémy va beaucoup me manquer. Eh bien, j'espère que vous allez l'honorer par une petite somme, s'il vous plaît. Hein. Donc, c'est clair, le destin... Virez du bleu, je vous en conjure. Oui! 50 euros! Oui! Merci, mon loup. Merci, allez, jeune, allez. Ça fait plaisir. Mon Dieu, ce que ça fait plaisir. Mon Dieu, que je suis content. Oh là 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 là.
Studios, je les aurais pris tout de suite, mais je ne suis pas à votre place. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. A l'inverse, posons-nous la question de savoir pourquoi subitement le banquier nous propose autant. C'est statistique, puisque vous avez une chance sur trois d'avoir 200 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'arrêter là. Une fois. Deux fois. Félicitations, mon garçon. Félicitations. Cette boîte, désormais, ne vous appartient plus. Vous venez de la vendre 40 000 euros. Bravo. Mais je vous redis ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi le banquier nous a proposé autant d'argent en fin de partie? Ma copine d'Île-de-France, ouvrez-moi votre boîte, s'il vous plaît. Allez, virez-moi les 200 000 euros, là. Allez, virez-les-moi. J'aurais viré l'autre, de toute façon. Comment? J'aurais viré la 10, d'abord. Ah bon? J'aurais d'abord enlevé la 10. La 2, j'aurais gardé pour la fin. Parce que vous avez vendu 40 000 euros une boîte qui en contient peut-être 200 000. Oh là 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 là. Nous étions à une boîte du bol de sangria. Permettez. Bon, ben, de toute façon, l'essentiel, c'est que vous ne repartiez pas les mains vides. Exactement. Bravo, Droupi. Je pense qu'avec 40 000 euros, vous rentrez heureux au Havre. Saluez tous nos amis de Haute-Normandie, votre famille, vos potes, vous allez nous manquer. Ouais. Mais ce soir, la chance n'aura pas été au rendez-vous. En tout cas, pas pour le banquier. Regardez, vous avez vendu 4 fois plus cher une boîte qui coûtait 10 000 euros. Ça fait plaisir. Et pendant que notre ami salue nos camarades du public qui l'ont justement conseillé ce soir, voici le nom du téléspectateur qui apparaît à l'écran et qui va partager cette somme avec Groupy, notre ami. La partie continue sur TF1.fr, vous le savez. On se retrouve demain pour finir la semaine, je l'espère, en beauté et tenter de conquérir le million d'euros. À la barre! Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 1 million d'euros avec notre candidat de demain soir.